Good morning, allez, Yidan, les yeux seront aujourd'hui le Nishmat, Mourid Rabbi Shmuel, Ben Shulam, Zalman, Nissim, Ben Ahouda, Sarah, Batran, Rachel, Shom, Ben Esther, Richa, Batri, Ben Chemia, ainsi que leur fouet, Avram, Ori, Ben Rout, Betor, Shach, Ol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet, Zevachim, Perek Yud, Mishnah, Hey. Kol achataot sheba Torah, kodmot la Hashamot, chutz me Hasham, Metzora, mipenei sheuba al yedei Hechsher. Kol achamot sheba Torah, ba'in bene shtaim, ubain bekesef shkalim. חוץ מהשם נזיר והשם מצורע, שהן באין בני שנתן ואינן באין בכסף שקלים. Dans cette Mishnah, on va, dans une première partie, continuer à parler des priorités entre les corbanotes. On va parler du Khatat et du Hasham. Et du coup, dans la deuxième partie de la Mishnah, on va mettre le zoom un petit peu sur les Korban Hasham, un petit peu les différencier et expliquer un petit peu de quoi, quelle espèce, et dans quelle mesure il faut les apporter. D'abord, le khatat, on le connaît bien, on l'a vu plein de fois. Korban khatat, c'est un korban d'expiation qu'on apporte au misbéach lorsqu'on a transgressé une avéra sur laquelle on est passible d'un chiouv karet, de retranchement, une grave avéra, que la Torah nous a dit, lorsque tu as transgressé beshogeg, par inadvertance, tu apporteras un korban khatat. La singularité du korban khatat, kisba ou seira, est une femelle, brebis ou chèvre, qu'il faut... Lorsqu'on la porte au Misbéach, on va verser son sang, on va prendre son sang, on va monter sur le Kevesh, et on va le donner là-bas sur les quatre coins. C'est en fait presque le seul korban qui monte en haut. Il y a aussi la Olataof, mais disons dans les Zvachim, les bétails qu'on égorge, c'est le seul korban qui monte en haut pour asperger le sang. D'accord ? Le korban Hasham, alors, comme on dit dans la Mishnah de Ezeu Mekoman Shel Zvachim, tous les matins, on en mentionne là-bas Shesh Hashamot. Hasham Gzelot, Hasham Meilot, Hashem Shifra, Haroufa, Hashem Nazir, Hashem Metzora, Hashem Taloui. C'est quoi ces six Hasham? Hasham, c'est aussi une forme d'expiation, mais cette fois-ci, il n'y a pas de généralité. La Torah nous a donné dans six situations précises où il faut apporter un korban. Hasham Gzelot, Hasham Meilot, c'est lorsqu'on a transgressé, qu'on a soit volé à son ami en mentant et en jurant à faux. Et donc, quand on fera tu vois, il faudrait lui rendre. Ça, c'est Hasham Gzelot, parce qu'on a volé. Hasham Meilot, on a fait un sacrilège, on a utilisé ce qui appartenait au Beth Amikdash. La Torah nous a donné un devoir d'apporter un korban. Hasham Gzelot, Hasham Meilot, Hasham Shifra Harufa, c'est celui qui va avoir un rapport avec une servante particulière qui est mariée à un esclave, qui est destinée plutôt à un esclave. Un cas très particulier, la Torah nous a dit là-bas, t'apportes un Hasham, donc c'est trois Averot. À part ça, maintenant, dans l'ordre, on dit toujours Hasham. Hasham Metzora, Hasham Nazir, Hasham Nazir, Hasham Metzora, on les met de côté deux secondes et je vous rapporte le dernier qui est le Hasham Taloui. Hasham Taloui, c'est quoi? C'est un korban Hasham qu'on doit apporter lorsque on a un doute, est-ce qu'on a transgressé une avéra sur laquelle on est passé d'un chiouv khatat. Par exemple, transgresser Shabbat, manger des graisses interdites, du chélev, boire du sang. Alors, pour toutes ces fautes-là, lorsqu'on les fait bémézide, lorsqu'on les transgresse, on doit porter un korban khatat. Quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a transgressé, la Torah lui a laissé la possibilité d'apporter un korban hasham, qui va être un hasham taloui. Un hasham taloui, en hébreu moderne, on dit que ça dépend. En réalité, c'est parce que ça fait que pour le moment, on ne va pas avoir on va pas endurer des épreuves pour faire effacer les fautes. Quelqu'un qui transgresse une avéra, alors il doit ensuite le payer. Et la Torah nous a laissé la possibilité d'être tola les isurim. D'accord ? Ça, c'était Hasham Taloui. Il y a deux corbanotes maintenant spéciaux dans les Hashamot qui ne viennent pas directement sur des Averot. C'est oui, il y a des Averot, mais c'est un peu indirect en fait. Qui sont Hasham Nazir et Hasham Metzora. Le Hasham Metzora, c'est, vous savez bien, celui qui a eu la lèpre. Il a été lépreux, il a été isolé, sorti du Mahané. Il doit faire la Tshuva. Ensuite, il va faire Tshuva. Et lorsqu'il va faire Tshuva et qu'il va commencer à guérir, le Kohen va sortir en dehors du Mahané. Il va faire tout un rituel très sympathique. Très, très beau, très, qui est explicité dans la Torah, avec deux pigeons, et il va en égorger un, et l'autre il va libérer, il va l'asperger, il va frôler. Au bout de, après, le Metzora rentre dans le Mahané. Il rejoint maintenant le camp. Le campement, il a le droit de rentrer maintenant dans la ville. Mais attention, pour le moment, il reste impur, il n'a pas le droit de venir au Beth Amikdash pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, il y a tout un rituel dans lequel il va venir au Beth Amikdash. Il va porter là-bas un korban khatat, un korban hasham. D'accord ? Il va devoir porter deux korbanot. Pour le korban hasham, il va y avoir un rituel très 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 spécial de récupérer le sang
À part le sang qu'on va récupérer de l'animal, qu'on va asperger sur le misbéar, on va le récupérer aussi, le Cohen il va récupérer aussi un petit peu dans la main, un autre Cohen, il récupère dans la main, il va lui mettre du sang sur son oreille, sur son albognado, al tenuch ozno aimanit, balbognado aimanit, balbon raglo aimanit, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, et après il va faire le même rituel avec l'huile. C'est tout un. C'est explicité dans la Torah, dans Parashat, Metzora, Zot, Torah, Tametzora. D'accord? Ça c'est pour la Sham Metzora. Hacham Nazir, alors le Nazir, lorsqu'il va venir maintenant, il a fini. Le Nazir, vous savez bien, celui qui a pris sur lui de, pendant 30 jours au moins, de se séparer du vin et ne pas en s'impurifier pour les morts et de se laisser pousser les cheveux. Au bout des 30 jours, il va revenir, il va venir au Beth Amigdash, il va apporter des korbanot, il doit apporter 3 korbanot, Ratat Hacham et Shlamim. D'accord, Shalmé Nazir, ça s'appelle. Il y a aussi là-bas tout un rituel, il va se couper les cheveux, on va les faire brûler. Il y a tout un rituel. Mais ce qui m'intéresse maintenant, de tout ce qu'on a parlé, c'est qu'il y a 4 hachamot qui viennent par rapport à des fautes classiques, et il y a 2 hachamot, 2 korban hacham, qui viennent spécifiquement pour finir une purification, si on peut dire. D'accord ? Le Metzora, une fois qu'il va finir ça, qu'il va faire son korban hacham, et qu'on va faire le rituel avec le sang, il va pouvoir enfin entrer au Beth Amikdash. Jusqu'à maintenant, il n'avait même pas le droit d'entrer au Beth Amikdash, donc on ne l'avait pas égorgé. C'était tout un truc très spécial. Il fallait qu'il aille dans un endroit spécial qui n'a pas reçu de sainteté là-bas, Shar Nicanor. Et seulement après, il va pouvoir entrer et commencer à consommer les korbanot. Et hacham nazir aussi, on aura l'occasion d'en parler plus. Dans la Mishnah, il ne va pas tellement être évoqué un tout petit peu, donc ce n'est pas la peine de trop rallonger. Et maintenant, on a les données suffisantes et nécessaires pour commencer la Mishnah Bezrat Hashem. Première partie de la Mishnah, d'abord, c'est très simple. Kol ha-chataot sheba Torah. Chaque fois que l'on doit apporter un korban chatat, eh ben, ces korban chatat kodmot le-hashamot. Ils ont la priorité sur les korban hasham. C'est-à-dire, je viens avec 2 korbanot, un chatat et un hasham. Eh ben, le Kohen va commencer à faire le korban chatat. Pour quelle raison? Ça, c'est explicité plus haut. Parce que dans le chatat, il y a 4 matan damim, et en plus de ça, shfichat shirayim ha-yesod. On monte sur le misbéach, on donne 4 fois du sang sur les 4 coins, on le donne en haut, donc ça représente une plus grande valeur, quelque part, de sang, de korban. Donc on commence d'abord avec le korban de plus haute valeur, il est prioritaire. Et en plus de ça, c'est même explicité dans la Torah de verser les restes de sang sur le yesod. Bien que tous les korbanot on verse sur le yesod, mais là, la Torah a insisté en le disant explicitement, donc il a plus d'importance. À la différence du korban hacham, qui est shtaim shanarbar, en bas, on verse sur les 2 coins, on asperge d'un coup et on touche les 2 coins. Donc, la Mishnah m'enseigne, donc je reprends. Kol ha-chataot sheba Torah kodmot la-hashamot. Tous les chataot qui sont explicités dans la Torah, ils ont toujours priorité sur les hashamot, sauf chutz me hasham metzora. À l'exception du hasham metzora, le korban hasham du metzora. Pour quelle raison? Mipene shehu ba al yede echsher. Car il vient, littéralement, c'est un peu dur à traduire. Shehuba, si vous faites attention, c'est intéressant. Le Bartenora, il résout mon problème. Le Bartenora, il dit Shehuba le'archir, pas Uba al-yede ercher. Ben, mettre que la. Je ne sais pas ce que ça veut dire Shehuba al-yede ercher. Je comprends plus ce que ça veut dire Shehuba le'archir. Concrètement, c'est ce que je vous expliquais. Que le Korban, le Metzora, tant qu'il n'a pas fait le Korban Hacham, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de consommer tout ce qui est Kadosh. À quel moment précisément il va pouvoir commencer à entrer au Beth Amikdash et tout ça? Au moment où il va faire son korban hacham. Tandis qu'il doit aussi apporter un korban khatat, aussi. Mais le khatat n'a pas cette capacité de pouvoir le purifier. Donc cette fois-ci, tu regardes bien que le hacham, il est plus important. Il a une force plus grande. Puisque Baal et Archir, comme dit le Bartenora, puisqu'il vient lui le permettre, le rendre permis d'entrer au Beth Amikdash, il a donc une priorité plus grande. C'est lui qui aura la priorité. Et donc on fera le korban hacham avant de faire le khatat. C'était clair? On continue. Kol ha-hashamot sheba Torah. Maintenant, on va parler de manière générale sur tous les hashamot, les 6 hashamot qu'on a évoqués en réalité. On va les séparer en 4 et 2. Sur quelle espèce apporter et quelle valeur? C'est le seul korban d'ailleurs que la Torah a donné une valeur. Regardez, kol ha-hashamot sheba Torah. Tous les korban hasham qui sont rapportés dans la Torah. Ba'in benei shtaim. Il doit venir avec au moins 2 ans. Eil ha-hasham, en général, on parle du ha'il. La différence entre un ha'il et un keves. Le haïl, c'est le bélier, et le kéves, c'est le mouton. Le mouton, c'est le petit. La Torah a insisté que quand tu apportes un hacham, tu dois apporter un haïl à hacham, un haïl. Un haïl qui doit avoir au moins 2 ans. D'accord? Donc tous les hachams qui sont dans la Torah, tu dois apporter bnei shtaim, et en plus de ça, au bain bekesef shkalim. La Torah elle a même insisté à fixer un prix pour le korban. Minimum 2 shkalim. 2 shkalim d'époque, bien évidemment. Ouais, c'est une valeur.
une valeur, je ne sais pas ce que ça représente précisément en proutage, je ne vais pas calculer tout de suite pour le faire, mais devant la caméra, je ne vais pas vite. Donc ça ne vaut pas le coup. Shkalim, c'est deux fois le dinar. Vous vous rappelez le Sadam Podovev, Sela, Dinar, Ma'a, Pundio, Nihissar, avec Dovev, c'est les coefficients entre eux. Faites le calcul à l'occasion. Et en tout cas, ils doivent venir avec une valeur spéciale. La Torah a insisté de le prendre Bekesef Shkalim. Je peux vous dire, ça fait 48 sixième, je vais en laisser tomber. D'accord, c'est pas grave. Et donc, il doit venir, la Torah a fixé une valeur de 2 Shkalim, une valeur importante de 2 Shkalim. Avec deux exceptions de korbanot qui n'ont pas cette nécessité, qui sont Chutz, mais Hacham Nazir et Hacham Metzora, avec l'exception justement des deux korbanot du Hacham Nazir et Hacham Metzora, que concrètement, c'est les deux qui viennent pour finir le rituel du Metzora ou du Nazir, comme on expliquait, que la Torah là-bas l'a précisé, Shehen Bain, Benesh Natan, ils viennent alors qu'ils ont juste Beneshana, ils ont un an, Venan Bain Bekesef Shkalim. Ils n'ont pas besoin d'avoir une valeur de 2 shkalim. Pour reprendre un peu mieux, c'est grâce à Robert Tenora, il nous explique que la Torah est explicité dans le Hacham Meilot, le Hacham qu'on apporte par rapport à la Meila, le sacrilège. Il a dit là-bas, tu dois prendre un Kesef, Berkecha Kesef Shkalim, Kesef Shkalim, une valeur d'argent de shkalim, le minimum du pluriel c'est 2, donc 2 shekels. Et on apprend par Gzera Shava pour le Hacham Talouy, et Hacham Gezelot, et même le Hacham Shifra Harufa. À la différence par contre du Hacham Nazir, Hacham Metzora, que la Torah m'a dit, Keves ben Shinato, c'est explicite. D'apporter un Keves qui fait un qui a un an. Or, si un Haïl, lorsqu'il est grand, robuste, il fait 2 Shkalim, forcément, lorsqu'il est un Keves ben Shana, il ne fait pas encore 2 Shkalim, donc ce n'est pas non plus la peine de faire, d'avoir une valeur de 2 ans, donc de 2 Shkalim, même avec une valeur inférieure de 2 Shkalim, aussi on s'acquitte du devoir. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.